Là-bas, c'est là où j'habite à peu près. On va faire tout le tour comme ça. Et on finira par la base militaire. Et logiquement, si on fait ça, j'aurais fini toute cette île. Mais du coup, visiblement, il y a une autre île. Donc, c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé, visiblement. Donc, on va aller voir ces bestioles qui sont là. Mais, parce que... Eh, what? Oh, ça l'a énervé. Eh, ça a une sale gueule, hein. What? Oh, ça a explosé de ouf. Je pense quoi, ouais, on va les buter, hein. On va clairement les buter. Hein. J'ai envie de tester les dégâts que ça met, en fait. Bon, c'est puissant, mais peut-être une mauvaise idée, hein. Ouais, non, ça se déplace trop vite. Bon, c'est pas résistant. Ouais, ça se déplace beaucoup trop vite. Mais meurs! 22 du ou. Mais ça pue, hein. Ces trucs-là, là, c'est pas normal du tout, hein. Je vous le dis, c'est pas normal, ces trucs. Ouais, oh, tiens, toi, hein. Voilà. Et toi, là-bas? J'ai plus de balles. Ah. Eh, ça fait mal. Ça fait super mal. Mais what? C'est intouchable. Ah, mon Dieu. Mais enfin, bigre. C'est quoi, ces trucs-là? Strange glowing eggs. Des œufs? Ok. Strange glowing eggs. Bon, ça c'est rien de particulier. Ça c'est quoi ça? Smilly trail. Ok. Et ça c'est des blocs que je peux pas casser, je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a un truc au centre ou dessous? J'en sais rien quoi. Ça me paraît... Strange glowing eggs. Ok. Bon, j'ai tout pété hein. Je vais répéter leur nid, toi, vas-y, ça part. Je veux plus de ces trucs-là, là. Bon, j'ai pété le nid, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est... Étrange. Alors, qu'est-ce qui se trame, ici? Ici, je crois qu'on rentre chez moi, de ce côté-là, hein. Logiquement, ouais, logiquement, ouais. Je sais pas s'il y a un truc. On va checker avec le pompe. Petit pompe en main. Ah, si, il y a une petite maison, là. Qu'est-ce qui se trame ici, là? Alors, vous croyez que vous êtes isolé? La personne? Ouais. Ok, il y a personne, il y a rien. Vide de sens, tout ça. Du coup. Voilà, c'est là où il y a eu l'explosion nucléaire, on reconnaît, donc on rentre chez nous. C'est pas le moment. On a pas fini l'exploration. Oh que non, on n'a pas fini l'exploration. Oh là-bas, il y a encore un porte-avions. Eh, mais il y en a partout, hein. Il y en a partout. Ouais, toi, tiens, c'est gratos. Ouais, il est pas mort. Mais quoi? Je commence à faire le boulot, hein. Toi, tu veux quoi, toi? Ouais, c'est gratos. Il fait nuit. Salut, les gars. Ouais, lui là, tu crois que je t'avais pas vu? Mais ouais, ça respawn en balle. Par contre, le snipe il vise tellement de travers quoi, c'est abusé. Hein. Allez, ça dégage. Voilà. Par contre, c'est clairement la nuit. Hein. Je vais dormir là-bas et toi, je sais pas si c'est une très bonne idée. Ah, là-bas, il y a un village, hein. Incroyable. Incroyable qu'il y ait un village. Peut-être qu'ils ont des informations, j'en sais rien. Peut-être des collabos, peut-être qu'ils ont des infos, on sait pas. On ira voir plus tard. On va d'abord faire toutes les petites maisons là. Ici. Ici. Ici, il y a un raptor. Ah ouais, c'est du one shot. Hein. Ok. Et ici. What? Hey les gars. Voilà là, ça fait pas chier tout ça. Alors, il y a quoi ici? Rien de fameux. Il y a le livre, évidemment. Ok, le fuel, on prend. Il y a un autre livre. Mais incroyable ça. Deux livres au même endroit. Ils nous prennent pour de la chair à canon. Hors de question de rester sous les ordres d'incompétents pareils. Je vais informer les mercenaires qui traînent ici sur ce que contient le QG. Oh, qu'est-ce qui contient le QG? Alors ça peut intéresser. Hein. S'ils mettent la main dessus,
L'ordre des choses va vite changer, croyez-moi. Tonton Steph, d'accord. Bon, il y a quelque chose d'intéressant au sujet, au QG, visiblement. Et celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord, on a fui ensemble. Mais je crois que Nisrin veut vendre des infos cruciales aux mercenaires. Je vais devoir l'en empêcher. Même si les commandants font n'importe quoi, et qu'on ne sait pas pourquoi on nous a envoyés ici, c'est sûrement pour des bonnes raisons. Elna ML. Nisrin et Tonton Steph qui voulaient vendre des infos aux mercenaires. Ben, la dernière, elle était pas d'accord. Visiblement, ils sont entretués. Parce qu'il s'est passé, mais ça a dégénéré. Par contre, nous, on a eu des infos. Et on sait que... Mais tais-toi! Ouais, toi aussi là-bas, je t'ai vu! Voilà! Non, mais du coup, on a eu des infos. Et du coup, on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la base. Va peut-être falloir y aller. En revanche, j'ai dit quoi? Mais il y en a plein! Regardez-les! Ouais, j'aime pas les compis, c'est comme ça, mais. Voilà, ah ça je le prends, c'est important pour faire des balles. Et oui, pas mal ça, merci. Du coup ouais, ça va être chaud d'y aller je pense. Là il y a une caverne là, il y a encore des compis qui gueulent, ça va partir. Je disais que, vas-y. Du coup je disais que, ben on va y aller dans cette base, là-bas j'ai l'impression. Mais, ben, pas de suite hein, clairement pas de suite. Là on check un peu tout ce qu'il y a. On voit qu'il n'y a plus rien de ce côté-là. Il y a un porte-avions là-bas. Je vais aller vraiment jusqu'au bout pour voir s'il n'y a pas quelque chose. J'entends un hélicoptère. What? Toi. Allez, calme. Calme-toi. Tu veux quoi? Wow. C'est la guerre. Mais non, mais par contre... Wow, ça fait mal. Ça fait super mal. Lâche-moi. J'étais en train de parler. Wow. Non mais c'est l'enfer là. En plus mon sniper il tire de travers quoi. Wow. Eh hey, mais gros, calmez-vous. Il est où? Je l'ai pété. Wow. C'est quoi ça? What? Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, ça part en couille dans tous les sens là. C'est quoi qui m'a mordu là? What? C'est une mouette. What? J'ai vu une horreur. Oula, j'entends des hommes, des soldats. Eh hey gros, c'est quoi ça? Y'a des soldats là? Oh mais oh, c'est quoi? C'est un gilo ça? Ah il est beau hein, en vrai. Ouais, j'étais juste en train de... Je voulais juste aller voir là-bas s'il y avait quelque chose. Mais je crois qu'il n'y a plus rien là-bas. Il y a juste ce gros schlag là. Non mais il tient trop de travers mon sniper, hein. C'est grave. Hein. Regardez ça! Non mais c'est abusé. What? Y'a ça là, y'a encore un gilo? Prendre le dio full cheaté quoi. Allez, dégage. Vous voyez là j'ai un HP. Il y a ça qui m'arrive dessus mais laisse tomber. Hein. Laisse tomber comme c'est la mort. Ok là j'ai un bon point de vue. Ah mais tais-toi. J'ai un bon point de vue. On voit qu'il y a un hélico ici. Il y a la grosse base militaire qui est là. Par là-bas j'ai l'impression que j'ai tout fait. J'en viens de là-bas. J'ai fait tout le tour. Là normalement il n'y a plus rien je crois. Il y a eux. Il y a eux aussi là, il y a une petite base militaire ici. Donc il reste deux bases militaires, je pense. Et là, il y a un truc qui vole là, incroyable. C'est un peu gratuit, c'est pour m'entraîner. C'est entraîner mon IM. Bref. What? On vient me chercher. Mais quoi? Mais non, mais attends, j'allais conclure. Il est où l'hélico? Bon, on va le péter maintenant lui. Hein. Ouais, ça fait mal. Hein. Pomme en or, il va falloir que j'aille m'en refaire aussi. Hein. Il est où l'hélico? Faut que je le bute. Hein. En vrai, quand je suis proche, je lui fais full dégâts. Ah,
Bon, lui aussi, il en fait full. Y'a quoi là? Y'a un raptor. Mais ouais, mais ça part en cacahuète. J'ai un HP. J'ai un HP. Ouais, parce que j'ai regardé les anciennes vidéos, j'en mange pas assez. Toi. Pas parce que je suis en combat que tu meurs pas. Toi le démon pote. J'ai regardé les anciennes vidéos, je mange pas assez pas maintenant en fait. Clairement pas. Je risque de mourir pour rien. Il est où l'hélico là? Il est là. Waouh, waouh, waouh. Eh, hey, c'est de la guerre. Montre-toi, arrête de te cacher dans les arbres. Trop facile. Ouais, si je me prends la roquette, par contre, ça va pas le faire. Hein. Ça va faire nuit, là. Mais il y a trop d'arbres aussi, ici, là. Il est mort, il est mort, il est mort. Voilà, ça, ça dégage. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Il nous restera deux bases à découvrir dans la prochaine. Et on verra quel secret on va découvrir dans celle-ci. Là, ce que je vais faire en off, c'est que je vais retourner chez moi. Je vais me faire des pommes en or. Et je vais trier mon stuff aussi parce que ça va être l'enfer. Et sinon, je pense que là, la série, elle touche bientôt à sa fin. Donc avant de découvrir ce qu'on va voir dans le prochain épisode, quelles sont vos théories? D'après vous, qu'est-ce qui se passe sur cette île? Donc écrivez-le dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce comme ça, en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde.